Salut à tous. Chers compatriotes, je reste sans mots. J'ai trop réfléchi, j'ai trop pensé. J'ai pas pu mesurer face à cette situation de Caporal et de KPD aujourd'hui. Quand je me suis réveillé aujourd'hui, j'ai vu des machines qui sont en train, encore une fois de plus, en train de détruire les bâtiments des gens qu'ils ont conçus durant des années avec des maigres moyens, petit à petit, gagner un toit. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, je vous jure, j'ai pas pu mettre quelque chose dans ma bouche, tellement que je suis dépassé. Au fait, je me dis, ils le font par exprès, au fait. Sinon, personne n'est contre la récupération d'un domaine. Mais cette manière, ils le font par haine contre une catégorie de Guinéens. Ce que les gens n'osent pas dire, c'est contre le peuple. Vous n'osez pas dire ce mot, mais c'est ça la réalité. C'est cela la réalité. Ils le font, c'est pas seulement Ratomaki. C'est pas seulement Ratoma. Qu'on voit des zones réservées. Ibrahima Kourouma qui est en train de détruire les maisons. Si c'était ses parents qui étaient à Ratoma, de ce côté, il allait le faire. Je vois des vieilles de 60 ans, 70 ans, 80 ans en train de verser des larmes. Je pense à ma mère quand je vois ça. Parce que je me dis, ça pouvait être ma maman. Ça pouvait être ma maman. Des imbéciles sortis de nulle part, qui viennent détruire, qui montent dans des machines, qui viennent détruire les bâtiments des gens. Qu'est-ce qui me fait révolter de plus? C'est de voir que on a abandonné certaines de nos valeurs. Certaines de nos valeurs. Sinon, quelqu'un qui vient monter sur une machine. Parce qu'il est payé. Il monte sur une machine.
si vous venez détruire, faire tomber la maison de quelqu'un. Je vous jure, si vous voyez ce dernier sorti de là, indemne, il va chez lui, se couche auprès de sa femme, il mange avec ses enfants, avec sa famille au même moment. Il y a une autre famille qui est en train de passer la nuit sur le bel étoile. C'est parce que tout simplement on a laissé certaines de nos valeurs. Sinon quelqu'un qui vient monter dans une machine, il reste là-bas. Des calamités naturelles viennent là-bas. Vous pensez que les autres vont venir? Nous avons des valeurs qu'on a abandonnées. C'est cela la réalité. Et cela la réalité. Cette haine, cette haine que vous avez contre une catégorie de Guinée Alpha Condé et son Ibrahim Condé et son Kourouma, vous allez comprendre que rien ne restera éternel sur cette terre. Un jour, vous allez vous retrouver dans le rang de ces citoyens. Et c'est ce jour que vous saurez tout ce que vous avez causé comme crime, que vous ne serez pas toléré par Dieu et vous ne serez pas toléré par une justice équitable qui viendra un jour dans ce pays. Tôt ou tard, je vous le dis bien. Excusez-moi. Tôt ou tard, on fait tomber les bâtiments des hommes pour rien. Ils ne font rien, ils ne travaillent pas. Mais c'est ce qu'on dit le plus souvent. Un pouvoir qui ne travaille pas, un pouvoir qui ne construit pas, détruit toujours. Il casse. Et c'est là le cas d'Alpha. Et son régime. Et je demande le Tout-Puissant Allah, tous ceux qui ont contribué de près ou de loin dans cette affaire de Caprora et de Kipé, un pouvoir qui n'a qu'un an maintenant au pouvoir, pour vous dire, ils ont décidé de faire du mal aux gens avant de quitter. Je demande au Tout-Puissant Allah, tous ceux qui ont contribué sans exception, que l'enfer du 7e degré soit leur réserve. L'enfer du 7e degré. Mais soumis-toi, Allah, bonne fima, parce que quoi, aïe, bonne, monnaie pour l'homme, on y connaît, on y connaît, on y connaît. Quand ils parlent des hommes, non, c'est faux, ils sont contre. Alpha Condé est contre, je ne dis pas, aucune ethnie n'est contre le peuple. Mais Alpha Condé, son clan, il a un clan, ils sont contre, c'est pourquoi ils sont toujours condamnés. Ceux qui travaillent avec lui, qui ne condamnent pas ça, qui ne le dit pas d'arrêter, parce qu'ils sont en train de bouffer. Mais vous serez tous rattrapés par l'histoire. Vous avez mal rentré dans l'histoire et vous allez mourir très mal dans cette histoire et votre vie ne sera jamais heureuse parce que votre finition sera mauvaise. Retenez bien ce que je vous dis. Le pouvoir est têtu et Dieu n'est pas pressé parce qu'il va vous humilier, il va vous détruire un à un. Il va vous détruire un à un. Ça, il va vous détruire. Allons-y seulement. Vous verrez. Fale jo mama, wana ko subira konde, ko pala subi kon burama.